Vous savez, cette fille vraiment, vraiment, vraiment grande qui va dans la même école que vous. Je me demandais si tu voudrais pas... Eh ben, c'est moi. Non, laisse tomber. C'était rien d'important. 16 ans, 1m85 et demi. Alors, il fait quel temps là-haut? Joli ton survêtement, espèce de yéti. Hé, hey, toi t'as dit quoi, ma copine? Farida, arrête. Il faut juste que tu sois courageuse face à l'adversité. Oh oui, j'adore, c'est celle qu'il te faut. Tu es parfaite. Je trouve ça fou que tu veuilles pas sortir avec moi. Tu penses qu'à tout moment, un garçon plus grand que toi, le mec parfait quoi, va entrer par cette porte? D'accord. J'y vais aussi. Tu y vas? Non, bien sûr que non. Le garçon a passé la douane il y a quoi, une heure, et elle est déjà en train de marquer son territoire. Alors, ça te plaît pour l'instant l'Amérique? Pour l'instant, j'aime beaucoup l'Amérique. Un de ces jours, Jody, tu leur feras face et tu leur diras « J'aime chaque centimètre de mon 1m85 ». Allô? Bonsoir, je suis l'étudiant étranger de ton école. J'espérais que tu voudrais venir avec moi au bal de la rentrée. Ouais, ouais, bien sûr, je veux dire... On t'a eu. Faut voir les choses en face, t'es la géante. J'aimerais juste que tu te sentes normale. Papa, à chaque fois que t'essaies de me faire sentir normale, je finis toujours par me sentir encore plus différente. J'ai besoin de ton aide. Dieu, j'y crois pas. J'ai attendu que ce jour arrive toute ma vie. Je vais te transformer de fond en comble. Alors mettons-nous au travail. Ce que vous me dites, c'est qu'un rouge à lèvres et un gloss, c'est deux choses différentes. Arrête de stresser. Je ressemble au canapé de mamie. Ou à une sublime princesse sirène. Voilà, ça, c'est moi. La nouvelle Jody me plaît. Jody qui affronte ses peurs, Jody qui obtient ce qu'elle veut. Je suis amoureux de cette fille depuis l'école élémentaire et voilà qu'il y a un nouveau qui arrive et il ruine 7 ans de stratégie. T'es en train de draguer mon mec. C'est pas vrai. Ne t'approche pas de lui. D'accord. Arrête d'être d'accord avec tout ce que je dis. Ok. Oh. On a tous quelque chose qu'on aimerait pouvoir changer chez soi. T'es ma très grande petite sœur. C'est moi. Tout ce qu'on peut faire, c'est décider de la façon dont on fait avec. Quand t'es une grande fille, c'est vraiment la seule chose que les gens voient. C'est pas la seule chose que je vois. Et je veux juste faire en sorte que tu sois pas blessée.